Bonjour et bienvenue to Mathilde Hands Legal. Perfect. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis avec Aurore qui est actuellement en train de tenir la caméra que vous avez déjà vu dans le vlog du Canada, dans le vlog de Epitalion l'année dernière. J'espère que vous ça va, moi ça va super bien, je suis archi contente d'être là et aujourd'hui on se retrouve pour un vlog puisque ce matin il est midi, mais aujourd'hui on a un programme assez chargé, on a pas mal de stands à aller voir, on a un meet-up cet après-midi, ce soir il y a la Coupe du Monde en freestyle de dressage, il y a le CSI 5 étoiles, il y a le spectacle, la soirée cavalier, donc j'espère que ça vous plaît et c'est parti. C'est très drôle. Les gars, on est sur le centre Texon, on attend Guillaume Canet, il y a beaucoup trop de monde, je vais vous filmer ça, je sais même pas si on va pouvoir... Bon, les gars, ce fut la pause déj. Visiblement, certains avaient très faim. Ok. Nous promenons actuellement dans le salon du cheval de Lyon, guidé par Aurore, qui cherche désespérément la boutique Kramer. Bonne journée à tous. Bon les gars, Aurore a craqué, sa cible est ici. C'est hyper drôle puisqu'elle a extrêmement mal aux pieds. Elle a la bonne idée de mettre ses chaussures genre. Genre je la traîne boiteuse. De base elle marche extrêmement vite, moi aussi. Donc le salon on trace et tout. Et c'est pas genre aujourd'hui, hier elle met ses chaussures neuves et là elle boite. Je sais pas comment elle va faire pour danser ce soir. Voilà, la motiver. Elle a des trous comme ça dans les pieds. Donc il va falloir la motiver. Un petit gin tonic avant d'aller danser. Hein. En train de faire son petit meet-up chez Cavalengo. Voilà. Et moi, je suis bien assise sur ma chaise. J'ai toujours très très mal aux pieds. C'est fantastique. Hop. Elle est en train de faire une petite photo. Je crois que je suis genre vraiment merdique comme caméraman. Mais après, bon, faut bien faire comme on peut. Hein. Même le cadrage est pourri. Bonsoir. Enfin, bonne journée. Ok les gars, on se retrouve, on est sur le stand de Cavalengo, comme vous pouvez voir. Juste derrière moi, la meet-up a commencé et il y a déjà eu pas mal de monde. Il est 3h-10, ça devait commencer à 3h, mais on fait 3h-10, 5h. Voilà, Aurore est ravie. À tout. 3h-10, mais il y a toujours du monde qui arrive. Hop, et la petite photo. Et cette abonnée très mignonne. Bonsoir. Petite séance photo pour les stories Instagram, n'est-ce pas? C'est Sligo qui va être content. Merci. Hein. Voilà, c'est super gentil en tout cas. Merci beaucoup les filles, moi aussi. Merci, bonne journée. Bonne après-midi. Bon, je vais ramener ça dans le train. De Cavalengo, on vient d'aller voir Juan, le meet-up touche à sa fin quasiment. On vient d'aller voir la RLM de Juan et le freestyle incroyable, genre vraiment. Comment dire en espagnol, c'était bien. Muy bien. Bref, c'était archi cool, très bonne reprise, j'ai pas du tout vu les notes ou quoi parce qu'on a dû revenir sur le stand pour le meet-up. Après ça, après la fin du meet-up, on va faire un petit tour sur les stands.
on va aller voir la fin du freestyle qui se termine vers 18h30 et ensuite on va voir le CSI et on va soutenir Nathan au CSI. Je sais que tu regardes cette vidéo, on va soutenir Nathan au CSI, mais sache que je ne regarderai pas ton parcours et ce ne sera pas moi qui filmerai, parce que à chaque fois que je regarde le parcours de quelqu'un que je connais et que j'apprécie et que genre j'aime bien et que je dis à quelqu'un ah regarde il monte bien, il fait des barres, mais vraiment tout le temps. J'ai fait ça pour Ilona, elle avait fait une barre, j'ai fait ça pour Steve Gerda, il avait fait des barres, j'ai fait ça pour Patrice Delabo, il avait fait des barres au CMS. Pour Nathan, j'avais dit, mais oh, regarde, c'est Nathan, hop la barre. Du coup, maintenant que quand j'aime bien le cavalier, je m'en vais. Parce que sinon, ça marche pas. Voilà. Quoi? Ouais, elle vient de dire, maintenant je me tais. Maintenant je me tais, je fais genre, je suis pas là, je ne connais personne, donc Nathan, on te soutiendra par la pensée. Voilà. Bisous les gars, on se retrouve juste après. Ok les gars, on se retrouve, on est en salle de presse, le meet-up vient de se terminer, c'était archi cool, je remercie vraiment tous ceux qui sont venus, vous étiez adorables, genre même pour tous les cadeaux que vous m'avez fait, tous les sourires, les câlins, c'était vraiment hyper cool, donc gros bisous à tous ceux qui étaient là, et à ceux que je vais voir demain, mais du coup le vlog vous le verrez plus tard, donc je vous aurai déjà vu, mais je remercie d'avance ceux qui seront là demain aussi, et là on est actuellement en salle de presse pour récupérer les listes de départ pour le CSO. Donc pour ceux qui demandent, c'est une épreuve internationale, barème A avec barrage, donc nous on va soutenir, attendez je vais vous dire exactement qui on va soutenir bah pas grand monde, hein. Je rigole. Two hours later. Bah Nathan Bud numéro 29. Nathan, on passera fort à toi. Ah, il n'y a pas mon petit suisse, attendez je vous pose dans un placard, voilà. Attendez, je cherche la Suisse. Je cherche la Suisse. Ah si, Steve Gerda. Nous sommes là pour Steve Gerda et Nathan Bud. Bonne soirée. Tote bag de qualité. Main propre de qualité. nous n'avons bu aucun alcool, je vous préviens. Je vais faire DJ. Les gars, retour en 2005. Oh, merde, les gars, on n'en peut plus. Je sais que vous entendez pas, je peux dire les amis, ça c'est pas grave. En fait, je vais vous expliquer, on n'a pas le droit de filmer la piste, donc on va filmer nos visages avec nos têtes en réaction à ce qui se passe. Là, nous avons Marc Sénis, je vais faire commentaire. Marc Sénis, Marc Sénis, on monte sur la piste. Le petit galop bien remonté, le manche, en fait, il mène à main gauche. Dans la moitié de la largeur, il s'est dirigé droit sur le premier obstacle. Un bel observe, j'ai les mêmes, c'est rouge et blanc, assez large, imposant, près du public. En prenant une diagonale assez courte, il va franchir un observe en jean, 1m50 de haut, 1m50 de large. Touchette sur la barre, touchette sur la barre.
Franchement, il y a des caméras, t'inquiète.